là, je vous parle la journée que j'ai publié mon plus récent vlog. Donc, j'ai publié un vlog ce matin. Mais je l'avais préparé hier soir, là, mais oui. Il était quand même vraiment long, genre 54 minutes. J'avais fait un quiz, justement, un sondage. Je venais par être capable de... Tu sais, qu'est-ce que je voulais vous dire? Sur mon groupe privé, là, sur Instagram, j'ai demandé, c'est-tu trop long? C'est presque une heure, puis personne m'a dit non. Fait que j'ai fait, parfait! J'ai mis 54 minutes. Vous pourrez l'écouter en faisant votre souper, vos tâches ménagères, ou peu importe, en fin de semaine, ou peu importe, quand vous allez pouvoir avoir le temps. Puis, si vous voulez regarder pour complet, ça va pas me vexer, là, tu sais. Je comprends que c'est un peu long, mais moi, personnellement, j'aime vraiment les vlogs longs. Fait que les vlogueuses que j'écoute, j'aime ça quand c'est comme 30, 40, 50 minutes. Ça fait de quoi à faire pendant longtemps. Puis là, je voulais pas nécessairement vlogger aujourd'hui, mais écoutez, grande nouvelle. Taylor Swift a annoncé des nouvelles dates de spectacle au Canada, à Vancouver. Je me suis levée ce matin, puis j'ai comme pas eu vent de ça. Puis là, vers l'heure du midi, je sais pas, j'ai comme vu ça, puis j'étais là, oh, quoi? Fait que je capotais. Vous avez pu suivre un peu ma péripétie, là. Au mois d'août, j'ai essayé d'en avoir pour le mois de... pour Toronto. Mais j'ai été mise sur la waitlist deux fois. Genre, les deux façons qu'il y avait de s'inscrire, là. Puis après ça, tous les billets ont été vendus, puis il n'y a pas eu de vente officielle. Il n'y a personne qui m'a acheté de billets. Fait que j'ai aucune chance, genre. Puis là, en ce moment, il y a plein de gens qui disent qu'ils vendent des billets, mais c'est toutes des arnaques. Genre, justement, j'ai eu quelqu'un avec qui j'ai parlé l'autre fois. C'était sur mon groupe... de ma région. Fait que j'étais comme, ah, oh, c'est une madame avec qui j'ai plein d'amis en commun. J'étais genre, peut-être que c'est des vrais billets, mais là, je trouvais que ses réponses étaient un peu bizarres, comme c'était vraiment pas cher. Puis finalement, j'ai vérifié avec des gens qui la connaissaient. Puis elle s'était fait hacker son compte. Finalement, c'était comme son ancien Facebook qu'elle s'était fait hacker. Fait que c'est ça, puis après ça, la madame, elle me réécrivait, mais genre, c'était des fakes, là. J'aurais pu me faire arnaquer. Fait qu'en ce moment, là, c'est pas difficile, là. Tout est fake. Tu sais, dans mon groupe, justement, ils nous envoient souvent, c'est des gens qui veulent acheter des billets pour Toronto. Est-ce que vous pensez que celui-là, c'est bien? Puis c'est jamais, c'est tout le temps des faux montages, là. C'est jamais des bons billets. Fait que personne les vend. Tu sais, genre, les personnes qui ont pu y aller, qui ont pu avoir des billets, ils vont y aller. Ou ils vont essayer de le vendre vraiment plus cher. Comme moi, j'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un, encore une fois dans ma région, qui avait des billets, des vrais billets à vendre, mais qui demande 4 500 par billet. Puis, je veux dire, je comprends, là, la personne veut se faire de l'argent. Puis tout. Ben, en fait, je comprends. Je vais garder mes opinions pour moi-même. Mais les billets les plus VIP, ils devaient peut-être être 1000. Là. Fait que si c'est des excellents billets à 1000$, ben, t'as quand même 3 500 de plus que tu donnes juste au vendeur. Que toi, c'est pas parce que t'as un meilleur billet que les autres. Fait que, en tout cas, moi, je suis pas prête à payer ça. Surtout que je suis pas sur place. Je suis pas à Toronto. Je suis pas même. Even proche de Toronto, tu sais. Fait que moi, d'où je suis aux îles, de toute façon, il faut que je prenne l'avion, il faut que je m'en aille quelque part. Fait que j'ai des coûts d'ajouter, tu sais, 100% là. Fait que tout ça pour dire que là, oui, c'est à Vancouver. Puis là, moi, je réalisais pas à quel point c'était loin. Je savais que c'était loin, là. Apparemment, c'est un bout en avion, puis tout ça. Mais en même temps, je me dis, gars, il y a plein de gens qui vont genre à Paris, à Londres pour y aller parce que. Les seuls autres spectacles qu'il y a, c'est ça, à l'international, puis il n'y en a plus de billets, là, c'est vendu. Là. Fait qu'aller faire un voyage à Londres ou aller faire un voyage à Vancouver, ben, tu sais, c'est ça, là. Je trouve que ça revient à peu près au même genre ben, pas d'expérience, mais moi, je suis déjà allée à Londres, en tout cas, fait que je retournerai pas, c'est pas vrai. J'aimerais bien ça, mais non, je n'irai pas à l'international pour voir le spectacle. C'est sûr que ça... Tout ça pour dire que c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit ben là c'est vraiment pas accessible Vancouver. C'est pas plus ou moins accessible que justement m'en aller à Paris là, puis à Paris je connais comme rien là, pas que je connais vraiment plus Vancouver. Mais en tout cas, moi je suis comme je vous dis, je tiens vraiment à aller voir le spectacle. Puis je tenais à y aller peu importe c'est où au Canada genre. Fait que je me dis on va trouver une solution, on trouvera un hôtel. On fera un genre de petit trip de girls pour aller visiter. Tu sais, c'est full beau en plus la Colombie-Britannique. Là, fait que c'est ça. C'est tout un affaire. Mais tout ça pour dire, ça c'est juste si j'ai un code cette fois-ci. Mais là, je suis arrivée avec une meilleure stratégie. Là. J'ai plus de gens qui essayent pour moi. Fait que on croise nos doigts.
je vous dirai là, le 8, parce que c'est le 8 que je vais savoir si j'ai un code ou si je suis encore sur la waitlist. Mais tu sais, tout est possible, puis éventuellement, ça l'ajoute d'autres dates plus proches de moi, ben je peux essayer d'en acheter, puis les revendre à quelqu'un d'autre, les échanger avec quelqu'un. Tu sais, comme là, il doit y avoir beaucoup de gens qui habitent à Vancouver qui ont acheté pour Toronto, fait que c'est eux aussi, c'est autant loin, là. Que là, ils vont vouloir échanger avec des filles de Toronto qui n'ont pas pu en avoir, qui vont en avoir pour Vancouver, mettons. Fait qu'il va y avoir ça aussi, là. Puis on a un an pour... Plus qu'un an, c'est au début décembre. Un an pour économiser, puis pour s'arranger. Fait qu'en tout cas, quand on veut, on peut, moi, je trouve. Puis c'est loin, mais en même temps, c'est pas genre le Japon, là. Tu sais, on dirait que c'est quand même... Il y a plein de gens qui vont des fois à Vancouver, en tout cas, vous me direz si je suis folle. Mais moi, je vois ça vraiment comme... je ferais mon voyage, je ferais un voyage dans mon année, puis ça serait ça, là, genre. Parce que comme je disais dans mon dernier vlog, moi, je voyage pas beaucoup, là. J'ai jamais fait le tour du Canada, là. Moi, j'ai juste été... J'ai même jamais été aux États-Unis. J'ai vu un peu les provinces maritimes. Gaspésie, Nouveau-Brunswick. Puis, j'étais allée à Londres. Puis, une autre ville aussi en Angleterre. En tout cas, je suis allée en Angleterre. Fait que ça date de là, presque 10 ans. Donc, voilà. Je suis pas la personne qui est le plus voyageuse du monde. Quand je m'en vais quelque part, je vais à Montréal. Fait que ça fait changement. Puis c'est ça, si éventuellement elle va à Montréal, je changerai mes billets pour aller à Montréal. Mais j'ai des gros doutes parce que le stade olympique, il me semble que c'est pas si gros. Le son est pas fameux non plus. J'ai déjà allé à One Direction, leur deuxième tournée, leur troisième tournée, je pense. Ils étaient venus au stade olympique, puis c'était le fun parce que c'était One Direction, mais girl, mais si elle va à Montréal, puis je réussis à avoir des billets parce que ça veut pas dire non plus. Si elle va à Montréal, puis que je réussis à avoir des billets à Montréal, of course, je vais y aller. Tu sais, genre, j'ai de la famille là, je pourrais aller habiter chez eux, puis tout ça. Mais en ce moment, mon seul choix, c'est Vancouver. Fait que ce sera ça si j'arrive à en avoir. Fait que envoyez-moi des pensées positives. Puis c'est ça, on est pas mal dans mon groupe aussi, là. Mon groupe, c'est pas moi le groupe, mais le groupe de fans du Québec qui s'essaye pour Vancouver. Fait que à suivre. Mais c'est ça, c'était vraiment bizarre que la tournée finisse à Toronto, genre random au mois de novembre. Fait que là, en ce moment, là, la tournée se finit à Vancouver au mois de décembre, ce qui est quand même un peu bizarre. Mais moi, ce que je pense qui va arriver, c'est qu'elle va rajouter des dates à Los Angeles en janvier, puis qu'elle va finir aux États-Unis. Je pense pas qu'elle va faire d'autres villes au Canada, mais bon, j'aimerais bien être surprise pour savoir. Mais tu sais, il y a comme tellement de temps qui s'est passé. Elle a annoncé les dates pour Toronto au mois d'août. Puis depuis le mois d'août, comme je vous dis, j'ai vu aucun vrai billet. Puis là, on est rendu au début novembre. Puis là, elle ajoute une autre ville. Fait que tu sais, à ce rythme-là, c'est comme impossible de savoir quand est-ce qu'il va y avoir d'autres avancements à ce niveau-là. Mais en tout cas, moi, je me sens hopeful. Puis aujourd'hui, je suis comme, oh, j'ai eu une autre chance. Fait que voilà, je suis bien heureuse pour ça aussi. Puis c'est ça. Je le vois dans une optique que ce serait comme une façon en même temps d'aller explorer autre chose, puis de pas juste faire un voyage pour aller à un spectacle, quoi que ce serait le focus. Allô, je parle quelques jours plus tard, on est rendu samedi. Quelle date qu'on est donc? 4 novembre. Et genre 9 heures le matin. Je suis quand même rarement debout de bonne heure de même la fin de semaine, mais je me suis réveillée, je n'arrivais pas à m'endormir. Là, pour les plans de la journée, on va sûrement aller déjeuner au Tim Hortons. Comme je vous disais, c'est la première journée que ça va être réouvert le samedi. Fait que c'est ça, là, j'avais comme un... J'ai assez de points pour un sandwich. Ça me tente de manger ça. Je sais pas si finalement on ira, mais c'est supposé. À suivre. Puis après ça, des petites commissions. J'ai vu qu'à notre magasin du dollar, qui est comme un Dollarama ici, ils ont eu plein de nouvelles billes à bracelets. J'avais envoyé ma soeur voir, je pense, le mois passé. Il y avait juste 3-4 modèles, puis ils étaient pas beaux. Mais là, ils ont pris des photos hier de toutes les nouveautés qui sont dans l'artisanat. Puis ils ont l'air d'avoir des petits papillons, des petites fleurs, puis même d'autres lettres, là, parce que tu sais, j'ai comme ceux que j'ai eu dans mon kit, puis ceux pour la fille qui m'a envoyé un poster.
Mais j'aimerais savoir des plus grosses billes aussi, parce que dans mes kits de billes, c'est des tout petites billes. Puis avec ça, tu sais, ça marchera pas. Fait qu'il faudrait être des genres de billes rondes. Fait que j'allais voir là avant de commander sur Amazon. J'avais vu un beau kit là, mais s'il y en a aussi au magasin du dollar, je vais le prendre. Puis je cherche aussi un cadre pour mon poster parce que j'ai peur de le briser. Fait que je vais le garder ici. En journée que j'avais vlogué, j'avais reçu ma commande Sephora que je vous parlais le dernier vlog, mais je vous l'avais pas montré parce que j'étais comme occupée à inscrire des gens pour le... à m'inscrire pour la pré-vente. Mon Dieu, je déparle. Mais j'ai reçu, c'est ça, mon rouge à lèvres, fait que c'est Pat McGrath, c'est la couleur que Taylor porte durant sa tournée. Puis là, on dirait que je me dis, oh, est-ce que je l'ouvre tout de suite ou bien j'attends pour qu'il soit encore bon l'année prochaine, si jamais je vois à sa tournée. Mais tu sais, c'est une excuse un peu stupide, là. Je peux l'ouvrir tout de suite pareil, mais c'est qu'une fois ouvert, ça dure 12 mois, là. Fait que c'était ma petite réflexion. J'avais eu aussi un cadeau avec Asha qui est la Magic Cream, Magic Water Cream que je voulais vraiment essayer de Charlotte Tilbury. Apparemment qu'elle est géniale pour les peaux mixtes à grasse. Je connaissais la régulière mais était un peu trop riche pour moi. Mais celle-là, je pense que ça fait bien. Puis j'ai eu les deux petits échantillons que j'avais demandé, donc le parfum Vanilla Wood de Seven Virtue. Puis le parfum Clean Reserve dans l'odeur Skin. Fait que je suis bien contente. Des fois, j'ai comme pas les bons échantillons, mais là, j'ai tout reçu ce que j'ai demandé. Justement, par rapport à la vente, aujourd'hui, c'est la dernière journée pour s'inscrire. Puis là, à date, j'ai, je pense, 16 personnes qui se sont inscrites pour moi. Ça paraît peut-être un peu intense, mais honnêtement, je sais même pas si je vais avoir un code avec ces 16-là. Parce que j'avais déjà vu pour Toronto des gens qui avaient 17 comptes et qui avaient été waitlisted pour les 17. Fait que j'angoisse. J'angoisse vraiment fort. Mais bon, si je finis par avoir un code... c'est sûr qu'on achète des billets, puis après ça, on verra s'il y a d'autres dates ailleurs qui nous arrangent mieux. Dans d'autres, j'allais dire pays, non, dans d'autres villes. Mais à date, on fait avec ce qu'on a. Puis j'ai des amis aussi qui m'ont dit, garde, t'as pas besoin d'avoir une raison pour vouloir aller voir ton show, là, comme c'est valide. Je t'ai remarqué, oui, merci. Parce qu'on dirait qu'il y avait des gens qui me disaient, comme, mais là, c'est vraiment pas accessible, puis tout. Puis je sais, c'est loin, là, mais c'est pas infaisable. Fait que ça serait comme un trip, en tout cas. Moi, je trouve ça quand même le fun. Puis en même temps, c'est tellement une belle place, j'aimerais ça aller visiter. Mais dépendamment comment les... il y a plein de dépendamments, là. Si on a des billets, si tout se passe bien, ça dépend combien les hôtels vont coûter. Parce que là, apparemment, il y a un nouveau règlement à Vancouver sur les Airbnb qui fait qu'il va en avoir vraiment moins à partir du mois de mai. Tu vas être obligé d'avoir, que ce soit ta maison permanente pour le louer. Fait que pas de résidence secondaire. Fait que ça va vraiment limiter le nombre de Airbnb. Puis les hôtels, j'imagine qu'ils vont bank on it. Le fait que Taylor Swift soit là, fait qu'ils vont mettre leur prix super haut. Fait que j'aurais aimé ça pour y aller une semaine, mais tu sais, si c'est trop cher, les hôtels, on laissera faire. Là. On ira juste aller-retour. Quelques journées d'ajustement, parce que tu sais, au Québec, au début décembre, il peut faire vraiment pas beau. Puis aux îles, on peut avoir notre vol peut être retardé. Tout ça, fait qu'il faut partir comme une couple de jours d'avance pour être sûr d'être au moins rendu. Parce qu'imaginez, t'as des billets et tu peux pas te rendre à cause de la température. Oh non, je virerais folle. Fait que tout ça est des... peut-être, là. Mais dans ce vlog-ci, on va découvrir tout ça. On verra. Je vais vlogger jusqu'à... Dans le fond, on a notre réponse jeudi, puis je vais vlogger jusqu'à... mercredi, puis je vais vlogger jusqu'à jeudi, si jamais, finalement, on en a. On est arrivé. J'avais demandé un latte glacé, mais en fait chaud. Mais bon, je vais goûter ces épices d'automne. Je l'ai jamais bu chaud. Non, elle a déjà commencé à manger, mais moi, il y avait une erreur dans mon affaire. Il manquait les tomates. Ils vont me le rajouter. Bon, c'est ça. Fait qu'ils vont rajouter les tomates parce que j'avais pris BLT juste sans bacon. C'est moi, je voulais les tomates. Puis la petite maillot. Ça va être meilleur parce que sinon, juste œufs et fromage, ça fait pas grand chose. Checké, on est au petit Costco. Ils ont tout arrangé là. Ils ont modifié les rangées. Regardez, il y a les nouvelles tasses de Tim Hortons. À briller celle de tasse. Voyez-vous le sabin?
Regardez les beaux bols à latte. C'est trop cute. Les tasses. Ah, je me suis essayé des rouges à lèvres pour maman. Elle en cherchait un rose. Puis, ça m'a rendu rouge, je sais pas pourquoi. On est revenu. Là, je suis comme drôlement installée. Vous êtes sur mon Dyson, dans le fond. Je voulais vous montrer. Fait que, dans le fond, j'ai bien été au magasin du dollar. C'est comme l'équivalent de Dollarama. Puis, les billes que j'avais vues, il y en avait qui étaient comme plus grosses que ce que je pensais. Donc, ça marchait pas. Là, c'était comme vraiment des grosses billes, plus pour mettre sur des souliers ou des trucs comme ça. Bon, j'en ai trouvé quand même quelques-unes que je trouvais qu'en même temps, ça faisait beau pour Taylor. Fait que des petites fleurs, des petits papillons. Ils sont un peu jeunes, girly, mais tu sais, éventuellement, peut-être que je vais changer des bracelets avec des enfants. Puis, des petites étoiles. Fait que je voulais juste comme mettre un petit accent, mettons, je trouvais que ça matchait quand même. J'ai trouvé des pinces de précision. Moi, j'utilisais dans le fond des pinces à sourcils pour mettre mes billes sur mes bracelets. Ça, c'est vraiment fait pour ça. Fait que je sais pas si je vais aimer ça, sinon je reprendrai mes pinces à sourcils. J'ai pris aussi ce kit-là. Il y en avait que je trouvais qui étaient vraiment petites, mais il y en a des quand même plus grosses là. Puis je trouve que c'est dans les couleurs genre de Fearless. J'ai rien de doré à date et de argent. Puis même les transparentes, je les aimerais pour faire des bracelets Invisible String. Fait que voilà, ça me manquait quand même dans mon kit. Puis eux, j'hésitais à les prendre parce que je trouvais qu'il y en avait quand même pas tant que ça. Mais il y a une variété que j'ai pas... C'est des variétés que j'ai pas dans mes kits déjà. Ceux-là, c'est des lettres comme ça. Fait qu'il y en a de couleurs, il y en a des dorés, il y en a comme ça. Dans le fond, je vous avais-tu montré quand j'avais eu... Ouais, puis eux, c'est des carrés. Là. J'aime peut-être un peu moins ça que les rondes que j'avais achetées sur Amazon. Mais en même temps, la fille qui m'a envoyé mon poster, elle m'a aussi envoyé des comme ça carrés. Fait que ça, je pourrais compléter s'il manque des lettres. Puis j'ai aussi trouvé un cadre. Je trouve pas que c'est le plus beau ever. Là. C'était aussi au magasin du dollar, mais j'ai regardé chez Art, il n'y en avait pas. Puis chez Jean Coutu, il y en avait des noirs. Dans le fond, j'ai pris le blanc. Puis c'est juste, si j'en trouve un meilleur, je le changerai. Mais c'était pour mettre mon poster. J'espère que c'est la bonne grandeur. Ouais. Je voulais le protéger, dans le fond, le plus vite possible. Fait que je vais mettre ça comme ça. Chez Jean Coutu, je vous ai montré, on est allé chez Jean Coutu. On a acheté des produits ménagers, tout ça. Mais ma maman s'est pris aussi des cosmétiques. Dans le fond, elle s'est racheté son cacherne de Lise Wattier, puis un rouge à lèvres, puis elle a eu un cadeau, moi je l'ai vous montré le cadeau. Fait que c'est un kit comme ça de Wattier. Je vois qu'il y avait des belles affaires dedans. Moi j'aime beaucoup les patchs, mais j'en ai déjà quand même pas mal, là, des patchs contour des yeux. Il y a aussi le fixateur que j'ai déjà acheté, je pense que ça vaut comme 21$, puis un petit gloss, puis une bébé crème. Bon, fait que je l'ai ouvert comme ça. C'est ça, c'est le Magnifix 4 en 1. Moi je l'avais déjà acheté, mais la version matte, exactement celle-là, le petit. C'est ça, j'ai regardé, ça vaut 21$, fait que c'est vraiment le même format. Je vais pouvoir tester, ben quoi que le Magnifix, je le connaissais déjà parce que dans le temps que j'étais cosméticienne, il y avait juste lui. Puis récemment, ils ont sorti aussi une version matte. Tu peux le mettre avant de te maquiller, puis après te maquiller pour faire augmenter la tenue. Le gloss, il est comme ça. Ça, je pense qu'elle va sûrement me le donner. Là, c'est un haute lumière dans Sparkling Rosé parce qu'elle aime beaucoup les rouges à lèvres, mais elle ne porte jamais de gloss. Puis il y a la patch. Là. Ça sera soit elle ou soit moi, on en a déjà plein de façons. Puis la CC crème, moi, il y a la bébé crème de Wattier que j'aime vraiment beaucoup. Comme ça ici. Mais ça, c'est la CC. Donc, il y a un FPS de 25 à l'intérieur. Puis c'est un correcteur couleur. Fait que c'est un petit peu plus pigmenté, plus correcteur. Ça, c'est sûr que c'est un échantillon de luxe, mettons. Fait que je vais y redonner ses cadeaux puis ses achats. Puis elle a aussi pris un déo. On aime beaucoup eux de Biotherm. Moi, la dernière fois, je me suis acheté genre... c'est-tu un Lady Speed Stick? En tout cas, j'ai acheté un déo moins cher, là. Puis je l'ai. J'ai vraiment hâte de le finir pour retourner au Biotherm. Dans le fond, je m'étais dit, bon, ben je vais réessayer les déodorants plus réguliers. Puis il sent bon, puis tout. C'est un secret. Ah oui, secret. Genre au bord de coco. Mais je trouve que il fait comme une texture en dessous des aisselles. Comme j'ai touché l'autre fois, puis j'étais comme toute... c'est ça, comme si ça faisait des... Ça reste gras, je sais pas. En tout cas, eux, ils sont vraiment génial. Mais tu sais, c'est un luxe, là. Fait que c'est ça. Je m'étais dit, je vais essayer après
après un petit bout de retourner à un régulier. Puis je le mets, là, je veux dire, je le mets quand même. Je veux le finir. Mais je vais peut-être me racheter celui-là. J'aime ça quand ils viennent en coffret, par contre, parce que tu les as quasiment à deux pour un. Mais là, ça fait un bout que j'ai pas vu de coffret. La dernière fois, j'avais vu, j'en avais acheté un. Puis là, je les ai finis les deux. Fait que c'est ça. Lui, c'est le invisible. Des fois, on prend juste le déo peu normal. Mais dans le fond, j'ai dit qu'il y avait invisible aussi qui fait anti-traces blanches et jaunes. J'avais une collègue, moi, dans le temps, Jean Coutu, qui a trippé sur celui-là, puis il avait été discontinué. Puis là, quelques années après, il est revenu. Fait que c'est ça. Si vous portez, mettons, des vêtements blancs, puis vous trouvez que ça fait souvent des taches jaunes, ou que vous portez des vêtements noirs, puis ça fait des taches blanches, ben lui, ça fait vraiment aucune tache. Puis moi, je trouve que le régulier fait pas de tache non plus, mais tu sais, ça dépend peut-être de chacun. Fait que c'est ça, mes petits trucs de billes. Moi, j'ai pas acheté grand chose, juste des petits billes. Puis les petits cadeaux. Ah, oh, c'est le fun, le gloss. Je sais pas si... Non, j'en ai pas dans ceux-là. J'ai juste un gloss de lisoisier repulpant, là. Je l'aime, mais sérieux, il fait mal quand tu l'appliques. Il est vraiment comme repulpant. Fait que je le mets pas souvent. Puis là, je vais essayer dans mon corps de voir si ça fonctionne. Puis c'est ça, on a été déjeuner au Tim Hortons, je vous ai filmé. Puis là, ben, on est rendu lors du dîner après toutes nos commissions. Fait que je vais me faire un petit dîner tranquille ici. Puis pour souper, on va faire des pâtes aux palourdes, je crois. Fait que je vais voir si je fais une recette spéciale ou bien. En tout cas, je vais réfléchir à ça. Je ressors mon nettoyant Maison Lavande pour épousseter le petit bureau, ça va faire du bien. Celui-là, c'est celle des lavandes. Ouais. J'ai même un petit coton réutilisable, comme un essuie-tout réutilisable aussi de Maison Lavande. C'est un kit. Il commence à être un peu effacé, mais ça fonctionne bien. Donc, je vous parle vraiment plus tard. Il est rendu, je pense, 22h. 22h15. Puis, dans le fond, à 21h, à mon heure à moi, c'était la fin du... Ça va? Fait qu'à 21h, heure d'ici, c'était l'heure limite pour s'inscrire pour vendre. Donc, je me sens comme après une compétition. Je suis genre, les jeux sont faits. Il ne reste plus qu'à espérer. Puis, finalement, pour vous donner une idée, j'ai pu avoir 17 personnes, plus une fille aussi qui a dit qu'elle allait tenter sa chance sûrement pour moi. Je sais pas si elle a veut ou pas des billets. C'était comme pas clair. Mais, fait, entre 17-19 chances, j'ai aucune idée si ça va être correct ou pas. Fait que là, après ça, j'ai commencé à faire des bracelets avec mes nouveaux trucs et tout ça. Pas grave, je peux faire un peu de bruit, là, c'est juste que ça va peut-être être un peu agressant pour les oreilles. Je voulais vous montrer dans le fond ma position de bracelet ce soir. Fait que j'en ai fait pour échanger pour moi, puis aussi pour la fille qui m'a donné le poster. Là, finalement, je vous ai montré, je l'ai mis dans le cadre que j'ai trouvé aujourd'hui. Donc pour la fille, justement, j'ai fait Clean, comme ça, qui est une chanson sur 1989, avec des petites étoiles. Comme ça que j'ai acheté aujourd'hui. Je coupe pas mes fils parce que j'attends d'acheter une colle pour mettre un petit bout de colle sur le bout pour être sûr que ça brise pas. Fait que celle-là, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle aimait. Puis à date, elle m'a dit qu'elle aimait Vigilante Shit. Et c'est ça, elle avait comme des lettres multicolores, puis elle avait des lettres noires. Fait que je vais y en faire un autre avec des lettres noires. C'est un paquet noir. Fait que je vais y refaire aussi en noir, mais je savais pas quoi mettre comme couleur de petite bille. Enfin, dans le fond, ça, je l'ai fait un peu multicolore. J'espère qu'elle va être contente. Puis je vais essayer de penser à d'autres choses. Mais tu sais, elle m'a pas envoyé beaucoup de lettres. Puis moi, déjà, j'ai pas tant de lettres que ça. J'ai ce paquet-là. Fait que c'est difficile d'avoir toutes les mêmes couleurs. Tu sais, mettons pour Clean, là, et c'était les seules lettres qu'il y avait toutes en bleu, genre, que ça fonctionnait. Là, on rentre dans mes préférés que j'ai fait par contre. Là, celle-là, c'est 123 LGB, c'est genre 123 Let's Go Beach, qui est une petite phrase qu'on dit pendant que Taylor chante Delicate. Au début,
début, là, on écrit ça dans le stadium. Fait que c'est juste ça que ça veut dire, 1, 2, 3, LGB. 1, 2, 3, let's go, bitch! Fait que, puis je l'ai faite bleue, à cause que Delicate, dans le vidéoclip, elle a une robe bleue. Parce que c'est sur l'album Reputation, puis j'ai pas genre de noir. Fait que là, j'essaie de trouver un autre thème. Fait que j'ai trouvé bleu, puis mes deux. Bref, c'est avec mes billes que j'ai acheté justement au magasin du dollar tantôt. Fait que celui-là comme ça ici, Fearless. Je sais pas si on voit à l'endroit ou à l'envers. Fait que juste vraiment simple, gold. Mais c'est que j'aime ça, ce gros sort-là de billes. Je vais m'en recommander sur Internet. Ben, je vais m'en commander parce que j'en ai pas à part ceux-là. Parce que celles-là, je les aime aussi. Surtout pour faire les bracelets doubles. Je pourrais vous montrer après mes bracelets doubles. Mais je crois que je vous avais montré dans l'autre vlog d'avant. Pas d'avant, mais l'autre, il y a deux semaines. Fait que Fearless. Puis je me suis fait un deuxième cardigan. Parce que c'est tellement ma chanson préférée. Puis encore une fois, j'ai mis des petites étoiles. Parce que elle dit « You drew stars around my scars ». Donc comme ça. Puis j'aime vraiment ça avec l'écriture dorée. Là. Quand je vais en manquer, je vais être triste. Je vais peut-être commander juste des petites lettres dorées. Fait qu'avec les grosses billes comme ça, transparentes, je l'aime vraiment beaucoup. Puis je peux vous faire un petit, une petite tournée de... Celui-là, je vais sûrement le refaire parce qu'il est vraiment minuscule. C'est clean aussi, mais honnêtement, ça ferait juste un enfant. Là. J'avais mal calculé ma grandeur de bras. Pourtant, j'en avais fait plein avant, je comprends pas. Celui-là, c'est l'album Lover. Ben, puis la chanson aussi, mais j'avais pas de V, fait que j'ai transformé un corps en V. Ça, c'est 1989, Taylor's Version, TV. Je sais pas si ça apparaît du bon côté dans la caméra. Ici, c'est Sparks Fly, une chanson dans l'album Speak Now, donc en mauve. Puis c'est ça, j'avais pas toutes les lettres qui matchaient, mais j'ai fait un compromis. Faut délasser un peu la perfection quand on fait des bracelets comme ça. Ça, c'est Daylight. Fait que, elle dit Love is golden like daylight. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis en gold. Celle-là, c'est I Stole the Keys pour Getaway Car avec une petite clé de voiture. Ici, c'était mon autre cardigan. Ils sont toutes. Il est vraiment grand celui-là. C'est genre le premier que j'ai fait, fait que je savais pas encore comment faire mes nœuds parfaitement là, avec une étoile. C'est ça les que je dis les doubles. Avec les petites perles, ça se fait vraiment bien. Là. Ça, c'est Poison Ivy. Sur deux lignes. Puis ça, c'est Snow on the Beach. J'ai juste mis Snow puis Beach. En tout cas, j'essaie de trouver une façon d'utiliser ça. J'ai mis du bleu puis du blanc pour genre la neige. Fait que peut-être que lui, je vais finir par le détruire un jour. Mais je l'ai pas quand même tant que ça. Puis un autre que j'aime beaucoup, c'est Champagne Problems. La chanson dans l'album Evermore. Ouais, fait que j'ai mis un peu un mismatch de billes de couleur, mais qui sont toutes gold. Là. Puis un petit, une petite bille beige champagne. On se reparle, on est le 6 novembre, donc lundi. Puis hier, je m'étais dit hier soir, ah oui, je vais leur parler, parce que j'ai juste filmé, hier on était dimanche.
J'ai juste filmé le matin quand je me suis fait un brunch. Ben, un brunch. Je me suis fait des crêpes puis un œuf. Mais c'est ça. J'avais fait des crêpes, puis là pour souper, j'ai fait des vol au vent aux fruits de mer. Mais finalement, je pense que c'est les deux seuls clips que j'ai filmés toute la journée. Fait que il y a ça. Puis là, aujourd'hui, avant le souper, on est allé à l'épicerie. Je vous ai montré une coupe d'affaires là. Puis finalement, j'ai mangé du chili de commensal. Là. Je l'aime bien. Je vais peut-être filmer un TikTok pour montrer mon rouge à lèvres. Je l'ai essayé là. Si je suis assez maquillée, tu sais, j'aurais peut-être aimé ça me faire quelque chose sur les yeux pour faire beau avec mon rouge à lèvres. Mais je peux peut-être me faire un petit look pas trop long sur mes yeux. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc ça, je pense que la dernière fois, je vous ai parlé, j'ai montré tous les petits bracelets que j'avais fait. Tout ça, j'en ai fait quelques-uns encore hier soir. Surtout eux pour envoyer à la fille qui m'a donné le poster là, parce que je veux y envoyer quand même rapidement. Je vais faire avec cette idée, puis après ça, moi j'ai encore full de temps pour faire les miens. Là. Ça, j'ai une activité de nouveau résident, je vous en avais déjà parlé quelques fois. Moi ça fait un petit bout que je suis revenue, fait que je suis plus vraiment invitée. Sauf que là, ils invitent quand même les gens que ça fait plus que 3 ans qui sont là pour un potluck. Donc j'aimerais ça y aller, mais tu sais, si la vente est à 19h, puis le... Là-bas, c'est à 19h, je n'irai pas. En tout cas, c'est ma vente. En tout cas. Je parle, c'est toutes des hypothèses, parce que ça se peut, comme je vous ai dit, que ça soit négatif et que j'en ai aucun. Mais en tout cas, je vais regarder. Là, je vais peut-être m'installer pour filmer mon petit first impression du rouge à lèvres Pat McGrath. Enfin, je me disais, ben, c'est sûr que Taylor, c'est tout en populaire sur TikTok, mais tu sais, avec les hashtags, là, on dirait que ces temps-ci, il y a beaucoup de monde qui parle d'elle, ou genre de justement les dates à Vancouver, puis tout. Fait que. Puis du rouge à lèvres en tant que tel aussi, parce qu'il y avait eu comme un mini restock, là. C'est la dernière journée du solde VIB aujourd'hui. C'est vrai. Hier, ma mère, elle a commandé comme son parfum. Fait qu'il y a juste elle qui a pris quelque chose, finalement. J'ai vraiment rien trouvé, là. J'ai gardé mes. C'est tout ça. Je garderai mes cartes cadeaux pour quelque chose d'autre qui va vraiment m'accrocher d'ici la fin. Là. C'est sûr que. Ben, d'ici la fin. Une carte cadeau, ça finit pas, mais d'ici la fin de l'année, je veux dire. C'est ça. Je les conserve pour quelque chose qui va vraiment me faire plaisir au lieu de prendre n'importe quoi juste pour acheter. Fait que voilà. Je pense que ça fait tout. Je commence à être fatiguée. Il est juste genre 7h. Moi, finalement, je me suis motivée puis j'ai filmé mon petit TikTok, fait qu'il faut que j'aille faire le montage. Puis voilà ce que ça donne en primeur. Mais pas en primeur, mais le rouge à lèvres, il est tellement pigmenté et intense. J'adore. Puis vraiment, le sous-ton est super beau. C'est sûr que je vais mettre ça dans le temps des fêtes et possiblement Taylor l'année prochaine. C'est mes nouveaux que je vais sûrement envoyer à la fille, fait que Taylor Swift, all too well. You're on your own kid, Swiftie. Puis celui-là, je vous ai montré déjà. Regardez ce que j'ai reçu par la poste. Donc, je vous avais dit, peut-être, en tout cas, il y a une fille, j'y ai acheté un popcorn bucket qu'ils avaient eu à Montréal. Puis elle m'avait envoyé aussi des petits bracelets. Fait que c'est mon premier échange de bracelets. J'en ai un long live. Elle me les avait fait choisir. Ça, c'est Enchanted. Vraiment cute. Voyons. Bon. Puis, Crazier. Crazier. Voilà. Fait que justement, je vais prendre ça pour ranger mes bracelets. Ça, dans le fond, c'est le CD qu'une fille des îles m'a rapporté des États-Unis. Dans le fond, elle était au Target, puis elle se demandait quel album acheter, puis elle m'a dit en même temps si j'en voulais un. Fait que j'avais pris le Rose Garden Edition. Avec un beau poster à l'intérieur. Je faisais de la sauce des vol au vent. J'ai fait des petites parts, des coquilles. Ben, les petites, elles sont quand même grosses. Puis, pour accompagner, je me suis fait cuire des petites crevettes tempura. Je vais mettre de la sauce mal épicée comme ça. Allô tout le monde! On va ignorer mes cheveux. J'arrive du yoga. C'était vraiment difficile de me reposer parce que les codes Ticketmaster partent ce soir. Puis là, moi, j'ai su qu'il y avait des gens qui avaient genre 35 entrées. Fait que moi, en tout, j'en ai 19, genre. En tout cas. Fait que, tu sais, tout est possible. Là. Il peut arriver que eux qui en ont juste un et un code, puis que moi, j'en ai pas.
J'essaie pas trop le dire parce que je veux pas le manifester dans l'univers, you know. Mais en tout cas, restons réalistes, là. Fait que là, au début, c'était comme censé d'être à 10h, à 11h, là, je sais plus. Il y a des gens qui disent que c'est peut-être 7h de Montréal, fait que 8h heure ici. J'aimerais mieux ça parce que je pourrais déranger ma famille et mes amis. Sinon, genre, à 11h, ils vont dormir, you know. Fait que là, je sors du yoga, comme je vous ai dit. Et en plus, à la fin du cours, il y a comme une madame à côté de moi qui a un mini malaise. C'était tellement stressant. Elle va bien, là, mais c'est juste que pendant un instant, elle n'arrivait pas à respirer. Moi, je freak. En tout cas, tout ça pour dire, c'était pas la séance de yoga la plus relaxante ever. Puis, au Coop IGA, que là, demain, si je vais au truc des nouveaux résidents, je vais faire un carré à la sauterelle qui est un dessert au Oreo et au à la menthe, typique des îles. Mais là, tout dépendamment de si je suis appelée à faire l'achat de billets, je pourrais pas y aller. Mais là, je me dis, bon, je vais préparer anyway ce carré-là, pour on le mangera, puis moi, j'irai pas. Ça dépend des heures. Puis là, demain, il faut aussi que j'aille faire changer mes pneus. Fait que là, il manque des ingrédients. Je viens les acheter, dans le fond, pour faire mon carré à la menthe et au Oreo. Puis, je vous update plus tard au niveau des codes de Ticketmaster. Ce vlog, je vais sûrement l'appeler quelque chose comme ça, là, mais va vraiment être dédié à la saga des billets de Taylor Swift. Fait que peut-être ça ira pas chercher tout le monde, mais c'est ça qui se passe cette semaine. Fait que c'est ça le thème de ce vlog-ci, si vous avez pas déjà remarqué. Donc, premièrement, il faut la crème à feuilleter comme ça, un gros paquet, parce qu'il faut deux tasses. Ensuite, des guimauves. Donc, ici, un gros paquet de guimauves. Puis, la dernière chose qui manque chez nous, parce qu'on a le reste, c'est ça ici. Des chapeaux de biscuits Oreo. Voilà. Trois articles, là, ça m'a coûté 15$ quand même. C'était pas tout en spécial, là. Mais ouais, il y avait juste les chapelures Oreo qui étaient en rabais. On reparle plus tard. Finalement, on a fait le carré à la sauterelle. Je sais vraiment pas si je vais aller demain au truc. Au potluck. Mais finalement, ce qui devait arriver arriva. De mes 19 chances, c'est tout sur la waitlist. Donc je pourrais toujours pas encore m'acheter des billets pour Taylor Swift. Je suis vraiment comme, je vous en avais déjà parlé, mais je suis complètement découragée par cette nouvelle façon d'acheter des billets. Il faut que tu gagnes la loterie, comme pourquoi? Genre en 2019, au pire, j'ai acheté des billets pour Justin Bieber. Puis c'est dans le fond, c'était une pré-vente American Express. Donc tu sais, moi je me suis pris une carte American Express pour avoir accès à des spectacles. Parce que dans le passé, ça avait aussi fait ça pour Shawn Mendes. Fait que j'ai une nouvelle carte de crédit. J'ai déjà eu des codes de pré-vente en même temps, autant pour Justin que pour Shawn. Que c'était parce que j'achetais de la merch. Tu sais, moi j'achète de la merch. C'est dans mes top artistes sur Spotify. Fait que j'avais toutes sortes de pré-vente de fans. Que c'était parce que j'étais vraiment fan. Tandis que là, c'est comme une loterie. Faut que tu t'inscrives. Puis, écoutez, on a un groupe, là, Facebook, comme je vous en parle souvent, là. Puis, on a fait un sondage. Puis sur, je pense, 121 personnes, il y en a juste 5 ou 6 qui ont eu des codes. Fait que c'est ça. Là. C'est sûr que nos chances n'étaient pas très élevées. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, le maman me dit, mais tu sais, peut-être que c'est pas les derniers shows. Puis c'est vrai. C'est vraiment surprenant qu'elle ferme sa tournée à Vancouver. Mais c'est ça. C'est juste vraiment plate. Puis moi, c'est comme une des raisons pourquoi que quand je sors des îles, c'est quand je vais avoir des shows. Puis ça fait longtemps que je suis pas allée. J'avais des billets pour Shawn Mendes l'année passée. Maintenant, ça va être annulé. Mais j'avais quand même été à Montréal. Mais c'est ça. Là, quand j'étais à Montréal, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été voir pas mal de spectacles quand même. Puis c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Moi, il n'y a pas de moment où j'ai été plus heureuse que genre à un spectacle. Je trouve que c'est tellement le fun, t'es entourée de fans. Comme toi, tu peux chanter, tu vois ton artiste. Comme pour vrai, c'est vraiment dans mes expériences préférées ever. Puis c'est ça, it means a lot for me. Puis je vous l'ai déjà dit, mais la tournée Eras, en plus, ça passe à travers toute sa discographie. Fait que tu sais, s'il y a une fois que je veux la voir, c'est bien ça. C'est pas nécessairement d'attendre à une autre tournée ou quoi que ce soit.
Fait qu'en tout cas, je me sens juste vraiment rob de genre même avoir une chance de pouvoir acheter des billets parce que ça veut pas dire que les gens qui ont eu des codes qui vont en avoir non plus. Là. Mais tu sais, qu'est-ce que pas physiquement, mais qu'est-ce que potentiellement j'aurais pu faire de plus comme. J'ai parlé à toute ma famille, toutes mes amies, se sont toutes faites des comptes. Puis quand même, je peux pas. Tu sais, si c'était une pré-vente, puis qu'après ça, il y avait une vraie vente générale, où est-ce que là, premier arrivé, premier servi, genre. Puis oui, c'est un peu le chaos parce que tout le monde se fête pour avoir des billets. Mais au moins, il y a des chances égales. Comme c'est vraiment super décevant. Je pense pas que je vais vlogger le reste de cette semaine. De toute façon, je dois avoir filmé full. C'est pas. Je me sens tout le temps mal. Je me sens tout le temps mal d'avoir des émotions négatives. Mais en même temps, des fois, j'ai le droit d'être triste. Faut que je m'accorde ce toit-là parce que c'est ça. Et je pense que c'est sain. C'est dans les émotions humaines de des fois avoir de la peine puis de la déception. Surtout quand c'est comme ça puis que t'as comme pas de contrôle. Fait que c'est ça. Puis comment je fais pour être certaine qu'il va y avoir une autre chance que je sais pas. Il peut y avoir des possibilités. Après, ajouter, mettons, 3 autres shows à Vancouver. Puis là, ça serait les mêmes personnes qui se sont inscrites la première fois qui auraient une chance de sortir de la waitlist. Ok, c'est une option. Après, peut-être pas un show à Edmonton, en Alberta. Genre Montréal, mais il n'y a pas d'artistes qui viennent au Stade Olympique là, parce que c'est des stades. Là. Ils ont fait Metallica cet été, mais je sais pas, là, le Stade Olympique il n'est pas super comme stade au niveau de la qualité du son. Puis aussi le toit, là, ça veut pas dire que ça pourrait tomber fait que, en plein mois de décembre ou janvier. Je pense pas que c'est idéal de faire des spectacles là si avec la neige ça peut casser. Vous me direz s'il y a eu des travaux sur le stade puis que je suis pas au courant, mais... Puis il y a beaucoup d'Américains qui ont réussi à avoir des codes, qui l'ont vu plein de fois dans leur pays, puis ils vont voyager jusqu'à Vancouver pour ça, comme je suis flabbergastée. Mais il y en a beaucoup que, tu sais, ils cherchent à aller à la dernière journée, fait qu'à chaque fois qu'elle va sortir des dates, ils sont comme « Ah! C'est le dernier spectacle qu'ils vont essayer. » Fait qu'ils ont essayé pour Toronto, justement, des demandes aux États-Unis. Là, ils ont pour Vancouver, puis c'est ça. J'ai vu sur Twitter qu'apparemment, sur, tu sais, il y a comme des trending topics, là. Sur Twitter US, ce qui trend, c'est « I got a code ». J'ai eu un code. Puis sur Canada, c'est « waitlisted ». Fait que les attentes. C'est vraiment ça le flaw de comme avoir un système automatisé qui pick randomly, comme ça fait aucun sens. Puis en tout cas, je sais pas. Ça aurait vraiment été. Ça m'aurait fait super plaisir d'avoir au moins secure ma place. Puis, tu sais, ça veut pas dire que j'aurais pu nécessairement me rendre, mais j'aurais tout fait en. Pour me rendre là, là je veux dire, vu les hôtels pis tout ça, pis le transport, ça serait cher et tout, mais ça aurait pas été impossible. J'aurais sûrement trouvé une façon, au moins en tout cas d'avoir le choix, puis de, au pire avoir des billets puis de devoir les revendre. S'il y avait autre chose qui était annoncée à un autre moment, ou que peu importe, la vie des fois, on sait pas qu'est-ce qui va arriver dans un an. Mais c'est ça, j'aurais vraiment aimé ça demain, de pouvoir avoir la chance au moins d'essayer d'acheter des billets. Puis c'est ça. En plus, je commence un nouveau travail la semaine prochaine. Fait que je me disais, ah, ça va être une belle célébration de tout ça. Puis finalement, je suis assise sur le plancher. Puis je suis triste. Fait que c'est ça. Mais merci quand même d'avoir regardé mon vlog. Je m'étais dit, oh, ça va être super le vlog. Je vais l'appeler. Je vais voir Taylor Swift. Puis c'est ça. Mais finalement, il va falloir que je me trouve un autre titre parce que je suis vraiment pas rendue. Puis l'univers est contre moi, for some reason. Ah, c'est ça. Je connais plein de monde que eux y vont à Toronto. Mais pas moi. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir vos commentaires. J'espère que vous me trouverez pas trop décevante parce que normalement, vous aimez ça quand je suis de bonne humeur. Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment de bonne humeur et que tout est le fun. Sauf quand c'est pas le fun. Puis quand c'est pas le fun, c'est ça, j'ai beaucoup d'émotions. Fait que c'est ça, je vous aime fort. J'ai presque plus de batterie sur mon téléphone, fait que je pense que je vais finir mon vlog, puis que je vais aller faire le montage.
Puis si jamais vous avez des billets en trop pour Toronto ou pour Vancouver ou pour whatever, pensez à moi, s'il vous plaît. Je serais une super bonne accompagnatrice. Je vais vous faire des bracelets. On va aller bruncher. On ferait plein d'affaires. J'aimerais deux billets là, pour pouvoir emmener de mes amis. Mais ouais, vous me direz. C'est ça.